La comédie est un genre que l'on peut investir de différentes manières, par le potache, l'absurde ou même par le réalisme, afin d'en faire ressortir la folie pour rendre l'humour plus crédible. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui se place comme un humoriste du quotidien, se moquant de la vie de tous les jours. Nicholas Stoller est un réalisateur d'origine anglaise qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 15 ans. Son nom apparaît souvent au générique de comédies américaines, mais en passant derrière la caméra, celui-ci a choisi d'explorer ce genre assez difficile à comprendre par le biais de situations du quotidien, cherchant plus à questionner la base d'un comique de situation que d'amener le comique au cœur d'une situation déjà absurde, comme c'est souvent le cas chez les Américains. Le propre étant qu'au cœur de son cinéma, Stoller a toujours voulu faire en sorte que ses personnages sonnent absurdes, mais que le monde dans lequel ils se trouvent sonne vrai, comme pour créer, sur une base simplement burlesque, un ensemble dramatique qui amènerait l'humour comme un simple élément perturbateur. La base de son humour repose ainsi là-dessus, un quotidien banal qui devient totalement et magnifiquement décalé par le biais d'un humour qui cherche à questionner la vraie place de ses personnages et non plus simplement leur place dans cette situation particulière. C'est ainsi qu'il s'est imposé au cœur de la production américaine en cherchant à amener l'humour comme un besoin de transformation pour ses personnages et non plus simplement un ensemble comique duquel on pourra essayer de tirer des conclusions ou des réflexions humanistes. Nicholas Stoller ne voit pas la comédie de la même manière que les Américains la conçoivent. Il est à mi-chemin entre les Monty Python et la comédie potache, cherchant à développer des situations avant de les rendre drôles. C'est en cela que, petit à petit, il a su s'imposer comme un auteur comique à part, mais surtout, terriblement efficace. Même si on peut avoir du mal avec le style de Stoller, il est indéniable que la base de son cinéma est passionnante. Cette idée qu'un homme, une femme ou un couple peut être amené à remettre en cause leur situation par le biais d'un élément comique qui fait irruption dans leur vie. Une rupture tournée en dérision, un assistant musical découvrant le monde du rock, un couple remettant en cause leur mariage ou même des voisins confrontés à un choc générationnel, tous ces personnages ont en commun de mener une petite vie bien rangée qui va virer au cauchemar ou au comique à cause d'un changement de situation en plein cœur de leur quotidien. La comédie revient alors à son essence la plus populaire, cherchant avant tout à se connecter aux spectateurs avant de partir en live et de nous servir un déluge d'humour. C'est de là que germe la base burlesque du cinéma de Stoller et c'est de là que naît une manière singulière de concevoir l'humour au cœur d'un film. Bien sûr, ce genre de comédie a ses limites, mais Stoller semble encore assez bien maîtriser cette nouvelle conception du genre pour se permettre de tenter des choses afin de peaufiner encore son style et son geste cinématographique. Là où beaucoup de réalisateurs comiques américains se contentent simplement de créer du burlesque, avant même de lui donner un sens, la patte britannique de Stoller permet à son style d'évoluer au fil du temps et de jouer avec les stéréotypes américains avant de se moquer d'eux ou de les détourner. Plonger dans la filmographie de Nicholas Stoller, c'est chercher à voir l'humour du quotidien comme un exutoire émotionnel fort qui va au-delà de simplement nous faire rire. L'humour devient alors, grâce à ce metteur en scène, le serviteur d'un spectateur qui cherche à la fois à rigoler, mais également à réfléchir sur la vie et sur le monde.